c'est où? Bienvenue sur Cabal Vision HD. Nous y voilà, Jim. J'attends ce match depuis le début de la saison. Nous voilà de retour à l'Old Bowl, Bob. L'antre légendaire des Rackland Rivers. Loué soit NFL, Jim. Cette pétition sur Festome pour réhabiliter le stade a porté ses fruits. Ou alors c'est Under Empire Limited, la société propriétaire, qui l'a rendu acquis de droit. Non sans avoir posé un glyphe d'invocation démoniaque, si j'en crois la rumeur. Mais après tout, c'est peut-être toi qui as raison. C'est sûrement grâce à la pétition. Enfin bon, bref, c'est un match qui promet. Les Rackland Rivers à domicile contre les Gugdai. Bonjour à tous! Ici Jim Johnson et Bob Bifford. Le Classico! Le rugissement de la foule est assourdissant, Bob! Le stade est plein comme un œuf! Autant dire qu'il voudrait bien assurer un beau match, sous peine d'avoir une énorme émeute sur les bras! La météo est parfaite, rien à redire là-dessus! Quel match déséquilibré! C'est à se demander s'il y a match tout court! Les orques, c'est du costaud. Soit vous leur rentrez dans l'art, soit vous faites tourner le ballon. Où est ce vieux renard de Varag? Je le vois pas sur le terrain. Il est dans la fosse. Ah, désolé Bob, il y a du neuf. Et ça m'étonnerait que ça te plaise. Il vient de twerper ça sur son flux. Je cite... Si Oberwald ne se donne pas la peine de jouer, pourquoi je me foulerais pour un ramassis d'humains? Ouah! Tirons au flanc de peau verte! C'est du carnage que je voulais! En fait, comme vous... Mais je veux un bain de sang! Varag et toi, ça date de l'époque où tu jouais? Quand il s'y met sérieusement, je connais personne capable de dérouiller du halfling comme lui. Il m'a montré la technique un jour, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Au début... Je l'ai tué, ces petits concrenas, au lieu de les mutiler proprement. Un jour, Varag et moi, on a traversé tout Brand Bay. Juste histoire que je prenne le pli. Au fait, ils ont repeuplé la ville depuis le temps. Et non, Bob, il n'y a plus âme qui vive là-bas. C'est ça! On force à reculer, puis paf! Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Non, mais il faut jouer collectif. Enfin, pas moi, mais vous aussi. L'important n'est pas la taille, Bob. Bien sûr que si. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci... Thank you.
sali pour vous tomber dessus. Ça peut faire très mal. Ensemble. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ne fait pas bon se retrouver là. Aïe. Ouh, c'était pas beau à voir. En sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Le fair play, c'est surfait. Une bonne baston comme celle-ci aura toujours sa place dans le sport. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Voyons ce que l'autre camp va faire. Oh.
L'union fait la force. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Les orques noirs sont sacrément doués pour enfoncer les lignes adverses. Merveilleux! Surtout, changez rien! Les peaux vertes n'y vont pas de main morte. Les Rivers se font fracasser. Ça devrait me réjouir, Jim. Mais franchement, je le sens pas. Écrabouille-moi ça! Il n'a aucune envie de le laisser tranquille! Il n'a pas d'autre choix que de battre en traître. Il s'est emmêlé les pinceaux. Sans qu'on va se marrer! Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer! Le porteur risque le plaquage! C'est le genre de situation que j'adore! Personne ne s'est tenu encaissé! De mon temps, Jim, ça serait pas arrivé. Comme des mouches, Jim!
parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. Et le porteur aussi. C'est la grosse marée. Quelqu'un de plus petit que soi. Y a rien de meilleur, Jim. Un échec qui risque de coûter cher à son équipe. Oh, je n'en reviens pas qu'il ait raté cette action. Quelque chose. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Certains diraient que c'est du vol. Moi, je m'en cogne. Ha!
type-là a des poings gros comme des jambons. Et bim! Joli tacle! Mais est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'est que ça? Ce joueur a quitté le match! Et peut-être aussi son enveloppe charnelle! C'est limite de l'anti-jeu de se concentrer autant sur le ballon. Elle est où l'ultra-violence? Une tactique inattaquable. Encore l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer. Ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire. Ça manque de zone de tacle et l'équipe adverse s'en mord les doigts. Ils veulent récupérer le ballon! Ça n'a jamais tué personne de chercher à bloquer le porteur du ballon! Enfin, si, ça en a tué pas mal! C'est quand même un peu le but! Soif de sang et moi aussi! Allez, une dernière petite pichenette! Mesdames et messieurs, c'est le touchdown! Touchdown!
compteur est débloqué, le match peut enfin démarrer. Un meilleur Toubib, soit il pogne plus fort. Je ne vois que ça. L'une des deux équipes a un joueur de moins. Un écart intime, mais qui pourrait avoir son importance. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Ce joueur ne doit passer les portes de l'enfer. Qui s'allie pour vous tomber dessus, ça peut faire très mal. Qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. Soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Et c'est le qui allonge le grand. Les Rivers sont à la benne. Même sans Varag, les Gouptaïs sont une équipe qui a du répondant. Mais t'as vu que Reckland n'a aucune chance. Quel dommage. Mais j'imagine que ça travaille, hein. Il ne faudrait pas grand-chose pour te voir appliquer sur le terrain et fracasser des crânes sans jamais te soucier du ballon, comme au bon vieux temps. Ah ouais, Bob, hein? Il est où, Bob? Allez, on y retourne, les gars. C'est reparti pour le massacre. Cette équipe doit rester calme et concentrée, ou ils vont finir par rendre le ballon à l'équipe gagnante, encore. Yeah.
Il ramasse le ballon sans difficulté. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Ça cherche clairement le corps à corps. Bon, apparemment, il n'y a plus que moi dans le studio. Bob est sûrement descendu sur le terrain avec l'envie d'en découdre. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable.
ce colosse va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force ? Avec ses trous d'arrière et ses milieux de bras, c'était un peu important. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Foi de mort vivant, Bob ! La mort, c'est parfois mieux, mais souvent pire. Action ! Si ça continue comme ça, je retourne regarder un épisode de Game of Gnome. C'est le moment de vérité ! C'est un roc, un cap, que dis-je ? Une péninsule ! Ah ! On me signale que la guilde des arbitres a rameuté ses ouailles pour faire expulser Bob de l'aire de jeu. Personne n'ose passer le premier ! Thank you.
joueurs préfèrent se battre entourés. Un joueur à terre. Turnover. Eh bien, je me sens un peu seul, très franchement. Hé, toi là-bas. Oui, toi. Oui, oui, viens t'asseoir là. Il dit quelque chose de raciste sur les elfes. Eh non, ce n'est pas la même chose. Bob ? Ah oui ! Flûte ! Aurait-il encore oublié son cerveau dans le vestiaire ? Ce joueur plus tard, s'il se réveille. Ah, voilà Bob. La foule l'adore, et moi aussi, j'avoue. Mais rien qu'un tout petit peu, hein. Toi, resserre-moi du vin. Un peu d'air pour le porteur de balle. Avec ces trous d'armes qui tiennent lieu de bras, c'était un peu couru d'avance. Ha!
va-t-il déposséder le porteur du ballon? On ne s'y retrouve plus. Même Finch aurait du mal à démêler ce patras. Sur FaceTome, vos twerps, vous pensez tous que je vous bats tripette. Eh bien, allez tous vous faire voir. Rien n'est jamais gagné d'avance. Tous ces joueurs... Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. Genre du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. En général, plus c'est grand, plus c'est neuneux. Je ne parle pas pour toi, Bob.
Picard va devoir sortir l'éponge magique, cette fois. Un joueur de moins, c'est facile à remplacer. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Ramasser le ballon. Apparemment, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Toujours aussi efficace, ces orques noirs. L'équipe se prend encore un pain. Enfin, comme on dit, pas de pain, pas de gain. Pour Cabalvision, j'entends. Tu es revenu! Ouais, j'ai pris ma retraite! Le terrain, c'est du passé. Mais ça m'a fait du bien de me défouler sur des peaux vertes. Ça m'a rappelé de bons souvenirs! Tu m'as manqué, mon babounet! Hein? Me la joue pas sentimentale, Jim. J'aime pas qu'on me serre de trop près. J'ai tué beaucoup de gens pour moins que ça. C'est l'heure de la... d'une coupure publicitaire.
meilleur moyen d'impressionner vos actionnaires ? Un bon gros stade bien plein !